Salut tout le monde, c'est Seigneur la Mort. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox et plus précisément, eh bien, sur du Ninja Tycoon avec des abonnés. Et donc, on va faire un cache-cache. Donc. Oula. Donc, là, je vais tout simplement les prévenir qu'ils doivent aller se cacher. Moi, je vais devoir les chercher. Donc, je vais regarder le mur en attendant. Donc, on va leur laisser à peu près 2 minutes. Tout simplement, comme ça, je pense que de toute façon, sur la map, ils ont le temps de se cacher. Donc, là, les amis, on va essayer de les trouver, évidemment, le plus rapidement possible. J'espère qu'on sera fort. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire, faire vos pronostics. Est-ce que je vais réussir à tous les trouver? Est-ce que je vais devoir dire j'abandonne? Ou alors est-ce que je vais les trouver en à peine quelques temps? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettrait à la chaîne de grandir. Il y en a qui pensent que personne ne va les trouver. Alors juste, je vais... Voilà, je préfère prévenir. On n'a pas le droit de changer de cachette. C'est mieux comme ça. Donc, là, ils sont très confiants. Donc, clairement, on va essayer de les trouver. Très rapidement, donc pas le droit de bouger, voilà. Comme ça, c'est plus simple. Donc, on va leur laisser encore 30 secondes, histoire qu'ils puissent bien se cacher. Ok, il y en a qui ont l'air d'avoir la même cachette. Déjà, c'est bien. S'il y en a qui ont la même cachette, ça veut dire qu'ils sont trouvables. Ok, là, on va attendre à peu près 10 secondes. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Alors, déjà, on va vérifier dans les bases. Ok. Putain, on va voler la thune. Hein, quoi? Je viens totalement de cramer un des abonnés. Bon, on va commencer par rechercher. Dans les montagnes. Ça, c'est des cachettes assez faciles en soi. Mais des fois, il y en a qui oublient. Alors. Donc, on va aller chercher. Là, pour le moment, c'est vrai que je trouve personne. On dirait qu'ils ne sont pas dans les montagnes. Bon, voilà, on a permis à Brett de se cacher parce que visiblement, il était un peu en retard. Alors, on vérifie que personne ne soit caché ici. Et on va vérifier qu'il n'y ait personne aussi en haut. Ok. S'il y en a qui aiment bien se cacher dans les arbres, en tout cas moi c'est là que je m'étais caché la dernière fois, et c'est vrai que j'étais pas seul. Parce que c'est vrai les amis, hein, mais j'avais déjà fait une édition de cache-cache sur Ninja Tycoon. Alors s'il y a une personne qui a osé se cacher dans sa base. Ok, non c'est bon. Alors, on va rechercher déjà s'il n'y en a pas un qui a décidé de se cacher avec Code Jason. Alors, est-ce qu'il y a une personne ici? Non. Ok, c'est bon.
Donc, j'ai trouvé Jaoui. Triste pour eux, mais... Alors, sinon il y a le shop. Bah ouais, mais non, pas le shop. Bah sinon après c'est beaucoup trop grand pour la map. Déjà que là avec les montagnes, c'est long. Alors... Non, j'ai déjà cherché là, mais ils sont toujours pas là. Donc on va se cacher vers la cascade. Non, c'est bon, c'est Kawakini. Ok, là-bas, il y a un autre baryon qui se balade. Juste, je cherche juste à savoir si c'est Jaoui ou pas. Ok, c'est Jaoui. Alors, on va se mettre première personne. Allez. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais trouvé trois personnes en même temps. Là, je pense que ça pue un peu le seum, j'avoue. Alors, on va voir de ce côté. Alors, je vais juste demander qui reste. Parce que je crois qu'il reste personne. Hein. Ah, il reste Karou. Et Auré YTB. Okay. Bon, à mon avis, je pense qu'ils sont dans les montagnes. Après, il faut juste savoir où. Okay, par contre, cette cachette en vrai peut être pas mal. Alors, donc déjà, je pense s'il pose la question, il y a de gros petits endroits. Paf, c'est bon, on a trouvé un autre abonné. Alors, on va essayer de trouver les derniers. Oula, on va éviter de tomber. C'est dingue, j'arrive pas à le trouver. C'est bien caché, franchement. Là là, apparemment il a la meilleure cachette. Déjà, ça me remotive pour le retrouver. Toi, je peux grimper sur le mur invisible. Mais what? Mais les amis, mais vous connaissiez ce bug? Mais attendez, mais c'est trop cheaté par contre. Alors. Vraiment, par contre, là, je m'attendais pas à glitch autant.
Non mais les amis, franchement, c'est incroyable. J'ai la meilleure cachette. Alors... Donc, là, franchement, je m'attendais pas à ça. Juste récupérer un peu d'argent. Le premier se trouver, c'était... Ah ouais. Kawaki. Non, c'est Kawaki qui avait été trouvé avant. Ah, bah, Jaoui apparemment a décidé de chercher. C'est parti. Bon, par contre, faudra plus que je parle parce que sinon, je vais tomber. Je me demande si quelqu'un va penser à regarder dans le ciel. Alors... y a Jigen qui est apparu, bon. Pourquoi pas. Oh mais la meilleure cachette, mais... Alors c'est dommage, je peux pas lui répondre parce que bon... là, le problème avec ma cachette, c'est que si je lui réponds, je tombe. Mais franchement, les amis, ma cachette, elle est incroyable. Oh non! Regarde au-dessus de toi. Mais non! Comment il a fait? La map, mais je peux pas répondre. Comment il a fait? Attendez, là il y a un nuage. Vous pensez qu'il y a une map ici? Et genre tu peux redescendre? Bon là j'ai mis tous mes modes combinés, c'est n'importe quoi. Ok. Bon ça va, c'est pas joli qu'il m'a trouvé. Je vais à la G cascade. Ok. Est-ce que j'arrive à voir des gens même d'en haut? Parce qu'en vrai, ça se trouve, c'est tellement galère. Alors, au pire, vous savez quoi? Parce que là, je quand même, genre, je ne flash in. Voilà. Même si après, ça fout. Wow. Là, comme ça, on voit moins. Ah bah, je vais pas le dire. Non mais c'est un fou. C'est moi le premier trouvé, je pense, il a dû dire. Mais je pense que ces nuages sont très suspects. Oh, c'est peut-être là où il y a les boss. Mais après, bon, c'est un peu du cheat si c'est là la cachette. Parce que c'est-à-dire qu'il passait dans le shop. Non, en vrai, je pense qu'on ne trouvera pas. Par contre, les amis, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si vous connaissiez ce glitch.
où on peut grimper sur les murs invisibles. Non, franchement, là, je pense que il y a très peu de chances que je sois trouvé. Le problème, c'est que je peux pas parler avec ma cachette. Ah, il y a une autre personne qui a été trouvée. Je pense qu'il veut dire premier, mais je sais pas pourquoi Roblox censure. Moi, il y a moyen de passer à côté de moi et de pas me voir. Ok. Il y a moyen de ne pas me voir du tout. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans le shop. Oh non, zut! C'est qui bulletin? Ok, c'est bon. Là, ça veut toujours quelque chose, ça veut même pas juste le plaisir de jouer. Alors. Au moins, je vais me faire cramer. Après, c'est vrai que je suis un peu en mouvement, mais bon. Ça, j'y peux rien pour le coup. Alors. Ah non, mais n'importe quoi, j'ai cru que j'étais dans le clan attaqué. Je me disais, mais depuis quand j'ai autant de Rio? Ok, heureusement que je me suis repris. Est-ce que j'arrive à voir des gens? Ouais, faut pas dézoomer à fond, c'est très perturbant. Alors, j'ai pas eu le droit d'utiliser. Ah oui, bah, je savais même pas qu'il y avait des pouvoirs pour se cacher. Alors, bon bah les amis, en pire, vous savez quoi? On va dire que c'est terminé, hein. Et donc, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, retenez bien cette super cachette, hein, puisque personne ne m'a trouvé. Et sur ce, je vous dis ciao.